l'impression de sportivité alors qu'on ne roule pas si vite que ça. C'est vraiment très, très agréable à conduire, très stable. Avec un poids qui est très faible parce qu'elle fait 900 kg à peu près, et puis bien sûr un moteur 3/4 central qui lui donne toute sa stabilité. Le petit tour du propriétaire, l'intérieur, l'extérieur avec les phares qui sont rabattables et qui se relèvent évidemment, le hardtop qui s'enlève lorsqu'il fait un petit peu meilleur, et le coffre arrière dans lequel se range le hardtop. Petit coup d'œil sur le moteur, vous voyez, il est impeccable. Vous pouvez apprécier les pare-chocs chromés qui sont spécifiques des 914 européennes. Pare-chocs qui sont vraiment très jolis et assez rares à trouver. L'intérieur est impeccable, sobre mais impeccable, un sky de très bonne qualité, et toujours ces pare-chocs chromés que vous trouvez aussi à l'avant comme à l'arrière. L'ouverture du moteur 3/4 central. Voilà, cette version de 914 Porsche est équipée d'un moteur d'1,7 litre avec deux carburateurs double corps à la place de l'injection, de façon à ce qu'elle soit un petit peu plus pêchue, un petit peu plus nerveuse. Voilà quelques données techniques pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur cette Porsche, qui mérite vraiment d'être connue et qui, je pense d'ailleurs, est en train de monter beaucoup dans la cote. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures.